Messieurs, chers compatriotes, bonsoir. La coalition pour la Nouvelle République CNR est heureuse de vous accueillir cet après-midi dans cette salle appelée communément Chambre de commerce. Vous avez certainement deviné, il ne s'agira pas du commerce, mais d'une conférence de presse animée par le directoire de la coalition pour la Nouvelle République. Les personnalités sur la table officielle, vous les connaissez, mais les usages veulent que nous procédions à une présentation officielle. Je vais donc commencer de la gauche vers la droite par quelqu'un que j'estime beaucoup, et je pense précisément là à aux adeptes de Vico Secondo qui ont adopté un slogan, un chant de guerre. Ils disent tendument, fatigué jamais. Alors le monsieur là, c'est docteur Alessène Ingueza, secrétaire général du CDJ, il c'est Ingueza, fatigué jamais. Juste à côté de lui, mesdames et messieurs, il est loin le temps où l'on disait au peuple vaillant et digne du département de Mobutu et sa capitale Tshibanga. Et vous, les gens de Tshibanga, vous allez manger un pain blanc sur Wissizam. Heureusement pour nous et le peuple digne de Tshibanga, la pain blanche sur Wissizam n'a pas été mangée. Le monsieur est toujours parmi nous, vaillant, vivant, debout, monsieur Wissizam. Président du Parti Camerounais du Progrès, PGP. Je vais sauter, pour des raisons que vous comprendrez, pour arriver à un héritier, quelqu'un qui nous a été donné comme héritier, mais héritier des valeurs, valeurs de probité, valeurs d'intégrité, abnégation et patriotisme. Je vais nommer le fils de M. Jean-Hilaire Aubameyang, il s'appelle Francis Obama. À côté de M. Francis Obama, lui, ce qu'on nous a dit, les sept merveilles du monde, lui, il a dit les sept merveilles du peuple. Je vous présente le président du parti CTMP, M. Joël Wenini Djagouba. Et pour terminer cette présentation, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, lui, c'est le fabricant. Ce n'est pas le fabricant de Moussoungou, hein. Mais le fabricant des docteurs, le fabricant des avocats, le fabricant des caméramènes, le fabricant des journalistes. Je vais nommer le professeur Vincent Moulegui Boukosso. Après cette présentation, mesdames et messieurs, la cérémonie s'articule sur deux points essentiels. D'abord, le préliminaire du président Boukosso, président du directoire de la CNR, et enfin, nous terminerons par les questions-réponses des journalistes. Monsieur le président Boukosso, à vous la parole. Mesdames et messieurs, les sages et dignitaires de la République. Mesdames et messieurs, les présidents des partis amis. Monsieur le secrétaire général du Congrès pour la démocratie et la justice. Monsieur le président du Parti gabonais du Progrès. Monsieur le président du Parti souverainiste écologiste. Monsieur
le président du parti pour les sept merveilles du peuple. Monsieur le secrétaire exécutif de l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès. Mesdames et messieurs les journalistes, partisans de la restauration des institutions de la République, distingués invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 2 décembre 2023, lors d'une conférence de presse à l'hôtel Onomo, les partis politiques ci-dessous cités, le Congrès pour la démocratie et la justice, le parti des sept merveilles du peuple, le parti gabonais du progrès, le parti souverainiste écologiste et l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès avaient annoncé leur intention de former le regroupement dénommé Coalition pour la Nouvelle République. Cette concentration des forces politiques a pris forme officiellement avec le dépôt au ministère de l'Intérieur des actes constitutifs de la nouvelle configuration de la CNR. La CNR procède aujourd'hui à la rentrée politique qui marque le début officiel de ses activités. La CNR, par ma voix, vous exprime ses remerciements infinis pour l'honneur que vous lui faites en prenant part à cette conférence de presse. Trois préoccupations majeures vont faire l'objet de la déclaration préliminaire de cette conférence de presse, à savoir le bilan de la résistance de la CNR, le bilan d'état de la gestion de la transition et troisièmement, l'organisation des prochaines assises nationales d'avril 2024. Pour mémoire, la sagesse enseigne, le rappel sauve. C'est une citation. Napoléon Bonaparte a dit, je cite, « Tête sans mémoire est une place sans garnison. » Fin de citation. Il faut en effet connaître et comprendre d'où l'on vient pour envisager l'avenir. À cet égard, l'on se rappelle qu'en août 2016, M. Jean-Ping, alors candidat unique de l'opposition gabonaise pour l'élection présidentielle de 2016, avait été élu avec plus de 65% des suffrages exprimés, infligeant ainsi une sévère et cuisante défaite au candidat du pouvoir, Ali Bongo Ondimba. Mauvais perdant, celui-ci, soutenu par des institutions électorales partisanes, a franchi le pas de l'horreur en prenant la tête d'hommes de défense et de sécurité et autres énervés équipés d'armes létales pour attaquer les partisans du changement au quartier général de M. Jean-Ping dans les différentes zones de Libreville et dans d'autres villes du pays, faisant des centaines de morts, de blessés, de disparitions forcées qui ont endeuillé ainsi plusieurs familles et laissant d'autres sans dans la désolation. Visiblement, la dynastie au pouvoir, soutenue par le sinistre PDG et ses alliés, avait décidé, comme à la suite des élections présidentielles de 93, de 98 et de 2009, de se maintenir au pouvoir, quoi qu'il en coûte, au peuple gabonais. En 2023, le Conseil gabonais des élections, CGE, manifestement aux ordres du pouvoir, déclara Ali Bongo Ondimba élu, contrairement à la vérité des urnes qui donnait la victoire au professeur Albert Ondokosa. C'est dans ce contexte de désolation
que le comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, avec à sa tête le général de brigade Biscle Clotaire Olivier Nguema, commandant en chef de la garde républicaine, prit la direction du pays et s'engagea devant la nation et la communauté internationale à restaurer les institutions et à redonner la dignité au Gabon. S'agissant du bilan de la résistance, André Malraux, ancien ministre français de la Culture du gouvernement du général de Gaulle, avait dit, je cite, « La libération ne se donne pas, elle appartient à ceux qui l'ont conquise. » Fin de citation. Depuis 2016, le peuple gabonais a expérimenté une voie originale de résistance active associée à une diplomatie agissante menée par le vainqueur de l'élection présidentielle d'août 2016, à savoir M. Jean-Ping. Sous la conduite de celui-ci, la résistance s'est imposée au Gabon et dans la diaspora du monde entier. Cette résistance a mené pendant 7 ans des actions multiformes, tant au Gabon qu'à l'étranger, rendant le pays totalement ingouvernable. L'axe de combat a été, je cite, maintenir le rapport de forces intelligentes porté par les forces vives de la nation, accompagnées de l'action diplomatique. Fin de citation. Dans son adresse à la nation, le 2 novembre 2018, M. Jean-Ping s'écriait en ces termes, je cite, « Qui peut rester insensible devant cette accumulation de forfaitures, d'humiliations, d'injures et de défis à tout un peu ?» Fin de citation. La CNR considère que le coup d'État salutaire du 30 août 2023, perpétré par les forces de défense et de sécurité, est une réponse à cet appel de prise de conscience et de responsabilité des Gabonais face au chaos et au spectacle humiliant que présentait le pays à la face du monde. En effet, c'est par un professionnalisme remarquable et une entente parfaite que les forces de défense et de sécurité, conscientes du risque de carnage que faisaient courir les forces rétrogrades aux Gabonais, sont rentrés dans l'histoire de notre pays en choisissant cette fois-ci, contrairement aux élections précédentes où ils massacrèrent la population, de porter secours au peuple gabonais, mettant ainsi un terme au pouvoir sanguinaire dessus. Le président Jean-Ping a clairement exprimé notre engagement à accompagner la transition à l'issue de l'audience que lui a accordé le président de la transition le jeudi 21 septembre 2023. Il a salué, je cite, « les mesures prises par le comité de la transition pour la restauration afin de réorganiser le pays ». Fin de citation. Lors de sa déclaration du 3 septembre 2023 par votre humble serviteur, la CNR avait salué avec reconnaissance et fierté ce coup de force salutaire et avait invité et encouragé le CTRI à œuvrer avec responsabilité pour la mise en place des conditions nécessaires à la restauration réelle des institutions de notre pays. La CNR confirme ce samedi 2 mars 2024 son engagement à soutenir par principe la restauration des institutions, à savoir la mise en place d'une nouvelle constitution et d'un nouveau code électoral. Elle reste disposée à collaborer avec le CTRI en tant que de besoin et en tant que de raison. Toutefois, pour la CNR, accompagner quelqu'un ne signifie pas faire le mouton de Panurge. L'amitié authentique, c'est aussi de se dire des vérités permettant à l'ami de corriger une mauvaise décision
ou une mauvaise trajectoire. À ce sujet, depuis le 30 août 2023, date à laquelle a pris fin le régime sanguinaire déchu, nous sommes rentrés dans une période de transition que le plus grand nombre de Gabonais avait souhaité, dont les militants de la CNR, pour éviter à notre pays un énième bain de sang qui allait avoir lieu le lendemain de la proclamation des faux résultats de l'élection biaisée du 26 août 2023. Depuis 6 mois, dans un silence absolu qu'elle s'est volontairement imposé, la CNR observe les différents actes posés par le pouvoir transitionnel pour la mise en œuvre de sa feuille de route. Chers compatriotes, en ce qui concerne le bilan d'État de la gestion de la transition, celle-ci, rêvée par le plus grand nombre de Gabonais, n'est pas une période de gestion ordinaire de l'État, mais une période exceptionnelle de dépoussiérage, de mise à plat et de redressement des institutions. Le CTRI, par la voix de son chef, le général Brice Clotaire Oligingema, avait déclaré lors de l'audience avec les partis politiques, je cite, « Je ne suis pas venu construire les routes, je suis venu restaurer les institutions qui ont été mises à mal par la modification intempestive de la Constitution. » Fin de citation. En effet, en régime d'exception, l'État est géré par les ordonnances de celui qui veut mettre de l'ordre dans le pays et non par des lois élaborées par des personnes qui n'ont aucune légitimité ni compétence. Dans cette optique, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, le gouvernement de transition, présidé par le général de Gaulle, a géré l'État français par ordonnance et n'a eu besoin que de quelques mois pour écrire la Constitution de la 4e République. À son arrivée au pouvoir le 3 juin 1958, il lui a fallu seulement 3 mois pour donner à la France la Constitution qui est en vigueur aujourd'hui. Pendant qu'aucune institution n'a pris de l'envol dans le sens de la restauration au Gabon, les Gabonais assistent plutôt à une activité intense de glissement vers les méthodes décriées par le passé. La transition que tous les Gabonais ont souhaité et qui est arrivée par la volonté parfaite de Dieu risque de prendre de l'eau si tous les Gabonais n'y veillent. À l'évidence, depuis la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité le 30 août 2023, l'observateur averti s'attarderait sur un ensemble de faits qui appellent à tout le moins de s'interroger, voire à condamner certaines actions erronées ou égarées. Pour illustrer cela, nous citerons la violation de l'article 39 dans sa version initiale qui impose un délai de 48 heures au président et aux membres des organes de la transition de déclarer leurs biens auprès du président de la Cour constitutionnelle après la prise des fonctions. Les Gabonais se demandent si cela a été fait et s'interrogent sur la volonté de transparence et de sincérité des nouvelles autorités. Dans la même veine, en nommant ministre plein le ministre délégué à la Défense et le ministre délégué de l'Intérieur, le président de la transition a délibérément violé l'article 35 de la Charte de la transition. Les Gabonais estiment que la modification a posteriori de la Charte qui s'en est suivie n'avait pas pour but de réparer une violation manifeste de la Charte, mais visait plutôt à décharger le président de la transition de ses fonctions de ministre de l'Intérieur et de la Défense afin de satisfaire son ambition de se présenter à l'élection présidentielle à venir. Sinon, comment le comprendre autrement quand on sait que le général de brigade Brice Clotaire Oligingema,
qui est partie prenante de la transition, comme le Premier ministre et les autres responsables des institutions de la transition, soit désormais le seul autorisé à se présenter à l'élection présidentielle à venir. Pour la CNR, du point de vue de l'équité et de la neutralité, aucun des membres des organes de la transition ne doit se présenter à l'élection présidentielle à venir, sachant que les responsables des 10 organes auront la charge de préparer et d'organiser cette élection. Au titre des errements, le manque de transparence manifeste dans la gestion des fonds saisis dans de nombreux domiciles des tenants du pouvoir déchu. Ces sommes d'argent n'ont-elles pas été en partie versées dans une banque commerciale privée dont les Gabonais connaissent les principaux acteurs, actionnaires? La CNR pense que ces sommes auraient dû être placées dans un compte séquestre du Trésor ou à la Caisse des dépôts et de consignations. Comment empêcher les Gabonais d'y voir des liens incestueux avec le pouvoir déchu? Au titre des égarements, les Gabonais observent la poursuite des pratiques du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, caractérisées par la violation des droits humains. On peut citer les arrestations arbitraires, la maltraitance et l'humiliation des responsables du syndicat des agents de la SEG, ainsi que du jeune Ernest Gaëtan Aïmi, porte-parole des populations des quartiers Leima et le Polo de Mwanda, dans le conflit qui les oppose à Comino. Ou alors les abus d'autorité des agents des forces de défense et de sécurité sur les plaisirs des citoyens au motif de violation de couvre-feu au point que mort d'homme s'ensuit. Ou encore, nous constatons, pour le déplorer, que depuis 6 mois, le Gabon vit un régime d'exception avec un couvre-feu permanent qui porte atteinte à la liberté d'aller et venir et aux activités économiques nocturnes, sans pour autant contenir les phénomènes de braquage et autres crimes rituels. Ayant fait le constat du risque de retour en arrière de notre pays, la CNR a décidé de rompre le silence. À défaut, malgré elle, de participer physiquement à la gestion de la transition en intégrant les institutions de la transition, la CNR a décidé de participer à sa manière à la gestion de celle-ci, en donnant désormais sa vision sur la gestion de la période de la transition, pour éviter d'endosser le sentiment de complicité que les Gabonais commencent à éprouver vis-à-vis d'hommes politiques et d'objecteurs de conscience. La CNR va désormais s'investir sincèrement, comme au temps de la dictature sanguinaire du régime déchu, dans la défense de la transition pour que celle-ci, voulue par l'ensemble des Gabonais, ne soit pas récupéré par des forces occultes réactionnaires et rétrogrades qui gravitent comme des vautours autour du CTRI et qui rêvent de faire ressurgir les méthodes du passé. Fidèle à son engagement politique et aux déclarations du président Jean-Ping, la CNR reste solidaire des Gabonaises et des Gabonais est disposé à s'impliquer avec tous les patriotes au redressement de notre pays. Elle accordera, par principe, une attention particulière aux actions de développement durable du pays et s'opposera avec force à toute forme de division du peuple d'où qu'elle vienne, car le Gabon est un et indivisible avec un peuple uni dans sa diversité. Quant aux assises nationales d'avril 2024, il n'y a rien de nouveau sous le soleil du Gabon. Les rencontres des grandes envergures ont déjà eu lieu au Gabon
avec la conférence nationale en 90, avec les accords de Paris en 94, avec les accords d'Arambo en 2006 et avec le dialogue d'Angonjé en 2017. Par ailleurs, la coalition pour la Nouvelle République, quant à elle, a organisé sans perdième le dialogue d'Ocala à Nazareth et sous le patronage de M. Jean-Pierre. Les actes de cette rencontre ont débouché sur un accord commun de gouvernement des partis et personnalités politiques membres de la CNR de l'époque. Au cours de toutes ces rencontres, des Gabonaises et des Gabonais, après des réflexions intenses, ont proposé des solutions aux problèmes posés dans tous les secteurs de la société. Mais, à chaque fois, les forces réactionnaires ont toujours mis dans les tiroirs les recommandations de ces rencontres. Ce ne sont pas des solutions aux problèmes des Gabonais qui font défaut. Ce que les Gabonais regrettent, c'est le manque de volonté politique des personnes qui détiennent les manettes du pouvoir de mettre en musique les actes de dialogue national. Voilà ce qui est à l'origine du blocage du développement politique, économique, social, sociétal, spirituel et environnemental de notre pays. Le problème qui se posera pour la prochaine concertation est celui de trouver des mécanismes qui permettront de mettre en application les actes qui sortiront de cette rencontre. Une occasion unique nous attend lors de ces assises à venir. Au cours de cette rencontre d'envergure nationale, il s'agira de dégager une vision pour le Gabon, d'affirmer les valeurs nationales, de faire un choix sur les gouvernances politiques, institutionnelles, environnementales et sur d'autres sujets de la souveraineté de notre pays. L'enjeu d'aujourd'hui est la mise en application des décisions prises par tout le peuple gabonais. C'est la raison pour laquelle la coalition pour la Nouvelle République se battra auprès d'autres patriotes pour que ces assises ne soient pas dénommées dialogue. Pour la CNR, le dialogue est une discussion entre deux camps à méfiance réciproque. Et d'ailleurs, le président de la transition, ayant déclaré la mort du duo majorité-opposition, donc le contexte actuel ne se prête pas à un dialogue. Car qui est en face de qui? Or, les discussions envisagées se feront par des multiples intervenants, plusieurs thématiques qui donnent la configuration d'une conférence nationale. Par conséquent, la CNR propose l'organisation d'une conférence nationale inclusive et souveraine. Le gouvernement, par la voix du Premier ministre et de la ministre en charge de la réforme des institutions, s'inquiète abusivement des invectives que pourrait susciter le débat général. Cette posture est pour le moins étonnante, car dans de nombreux forats de discussion, l'on constate que les débats peuvent être houleux. Cependant, le règlement intérieur et la police des débats permettront de contenir les dérapages des uns et des autres. De quoi le gouvernement de M. Ndansima a-t-il peur? Veut-il empêcher les Gabonais de débattre librement et en vérité des mots qui minent leur pays? La CNR n'entend pas accepter un débat cosmétique à la manière de ceux organisés par le pouvoir Bongo PDG à coup de perdième. Les Gabonais n'ont pas besoin de se faire payer pour parler de leurs problèmes. Le patriotisme ne s'achète pas. Pour la CNR, le pouvoir n'a plus le droit de dépenser des milliards pour de l'enfumage. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la CNR restera toujours aux côtés du peuple gabonais. Vous pouvez compter sur tous les partis qui la composent. Les Gabonais ont soif de vérité, des faits
sur le massacre de 2009-2016 pour savoir ce qui s'est passé, ceci étant un droit inaliénable des peuples, afin que les Gabonais ont besoin de la justice pour documenter d'une manière impartiale les crimes et les violations des droits humains. Une justice qui jettera les bases d'un récit national authentique. Les Gabonais ont besoin de réparation des préjudices subis, car il s'agit d'un droit reconnu par les organisations et les organismes nationaux et internationaux. Les Gabonais ont besoin d'un espace d'expression libre qui va favoriser l'apaisement des divisions afin d'aboutir à la véritable réconciliation nationale. C'est pour atteindre ces objectifs que la CNR propose la mise en place d'une commission vérité, justice, réparation, pardon, réconciliation qui doit être indépendante et qui aura pour mission de faire éclater la vérité des faits des massacres des Gabonais en 2009, en 2016, de donner aux victimes l'occasion de raconter leur expérience et d'œuvrer pour que soit facilité le pardon. La réussite de la réconciliation nationale dépendra de la mise en place de cette commission qui sera un outil de justice réparatrice. Vouloir régler la situation du dysfonctionnement actuel de notre pays par des subterfuges ressemblerait à panser une plaie sans évacuation chirurgicale des tissus infectés. L'avantage d'une réconciliation nationale réussie est qu'elle permettra au Gabon de prévenir les conflits, de renforcer l'unité nationale, de rétablir la confiance entre Gabonais et de consolider la démocratie. La CNR invite le peuple gabonais, la classe politique, la société civile, le clergé et le pouvoir politique à s'essayer à ce mode de règlement des conflits qui a fait ses preuves dans plus de 30 pays dans le monde, dont les cas les plus connus sont l'Afrique du Sud, le Canada en Amérique du Nord, le Chili en Amérique du Sud, la Yougoslavie en Europe et le Népal en Asie. Chers dignitaires de la République, mesdames et messieurs de la classe politique, mesdames et messieurs de la société civile, servantes et serviteurs de Dieu, mesdames et messieurs les journalistes, regardez le Gabon dévié de la trajectoire que Dieu lui a tracée le 30 août 2023 dans un silence complice sera pour nous tous un crime contre le peuple gabonais que Dieu ne nous pardonnera pas jusqu'à notre quatrième génération. Que Dieu préserve cette transition pour que vive la coalition pour la Nouvelle République ainsi que le Gabon immortel. Je vous remercie. Vérité. Docteur Moketou reçoit. Youé, je dis beaucoup, beaucoup. Bienvenue sur l'émission Heure de Vérité. Docteur Moketou reçoit sur Aka TV Radio. Le docteur Jean-Aimé Moketou anime depuis plus d'une décennie l'émission Heure de Vérité. Docteur Moketou reçoit. Elle est diffusée sur Aka TV Radio, une radio numérique internationale basée à Dallas, aux États-Unis. Chaque dimanche, cette émission captivante accueille en direct des acteurs majeurs de l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique ainsi que d'autres continents. Des membres influents de la diaspora africaine participent activement au débat, contribuant à approfondir les sujets en vogue.
Yaule yawe inganiga tsongwe wawule wawe inganiga tsongwe wawule wawe inganiga tsongwe wawule wawe inganiga tsongwe yaule yawe inganiga tsongwe wawule wawe inganiga tsongwe yautajile yautajie inganiga tsongwe wawule wawe inganiga. L'émission dure 1h30, animée par Jean-Aimé Mouketou, avec la réalisation de Papi Dep et Jean-Aimé Mouketou lui-même. Chères auditrices, chers auditeurs, Heure de vérité a pour mission de promouvoir la démocratie dans les pays encore assujettis aux dictateurs et à l'obscurantisme de leurs dirigeants. Ceci. Bungu Muyabi, Tangu Muyabi, Mbati Tourabi le Tangu Ibuto Pangini, Mbai Kuminzambi Mario Pangino. Heure de vérité, Docteur Mouketou reçoit. Waule wawe inganiga tsongwe waule wawe inganiga tsongwe waule wawe. Elle vise également à soutenir les nations qui embrassent déjà les valeurs de la démocratie et la liberté d'expression et qui sont les états de droit établis. Cette émission se démarque par son absence totale de langue de bois. Les auditeurs ont toute liberté pour poser toutes les questions qui les animent, tandis que les invités sont libres de répondre ou non à ces interrogations. Nous défendons ainsi un contexte impartial où la liberté d'expression prime avant toute chose. Vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook et la chaîne YouTube du Dr Jean-Aimé Mouketou et ACA TV Radio. Nous sommes reconnaissants pour votre fidélité depuis des décennies. Mouketou reçoit. Youé, nous dit beaucoup.